Alors, coucou à tous, nous sommes samedi 10 juillet, donc je suis donc sur mon lieu de vacances. Donc, nous avons été chez Leclerc. Donc, j'ai deux, trois petites choses à vous montrer. Alors, premièrement, je me suis acheté des chaussons isotoner. Voilà. Dans taille 37. Je crois que c'était 19,99 €. Je les ai pris en gris, en taille 30. Oui, en taille 37, hein, comme je vous ai dit. J'avais oublié de m'emmener une petite paire de chaussons. Ils ont l'air super moelleux. Vous voyez l'intérieur, je vais vous montrer. Ça a l'air vraiment tout moelleux. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris un nouveau masque Barbara Gould. Masque biocellulose. Ça, c'est pas le même que j'ai d'habitude. C'est SOS éclat, anti-pollution, anti-fatigue, anti-stress, purifiant et oxygénant. Support biocellulose, c'était aux alentours des 4,44 €, je crois. Voilà, j'ai pris un. Ah oui. Ah, par contre, c'est pas très pratique. Là, je suis dans la salle de bain. J'avais oublié de prendre un Eda Shoulder. J'étais persuadée que j'en ai pris un. Enfin bref, il y avait 1 € de réduction sur le gel douche. C'est le 2 en 1 sensitive. Je crois que c'est à l'aloe vera. Dermapur. Donc, je pense que c'est à l'aloe vera celui-ci. Enfin bref, hein, il est comme celui-ci, c'est le Sensitive. Antipelliculaire plus soin, Dermapur, Formula, Dermapur. Mais j'ai l'impression que c'est à l'aloe vera. Voilà, j'ai surtout la tête qui me gratte. Voilà, c'est surtout ça. Je vous emmène avec moi. Hop, donc on en était. Voilà, je vous ai montré les chaussons, le masque, le Eda Shoulders. Ensuite, j'ai pris, alors d'une main, ouais, j'ai pas pensé à prendre mon trépied, un agenda scolaire 2021-2022 licorne. Voilà. Alors, j'ai pas le prix, c'est à 9,95 €. C'est à l'espace culturel Leclerc. Je vous ai fait un petit post sur Insta. Voilà comment il se présente. Vous avez des pages comme ceci, hein. Alors, je vais essayer de vous montrer. Bon, rien d'exceptionnel, hein. C'est un agenda comme ceci. Hop. Là, par contre, dans celui-ci, c'est pas comme celui de l'année dernière, je crois. Ah, si, il y a des stickers à la fin. Si, il y a des petits stickers. J'hésitais à reprendre comme celui que j'avais pris l'année dernière. Et là, je l'ai pris en différent. Voilà. Bon, c'est un agenda scolaire, mais moi, j'aime bien avoir des petits agendas assez girly. Vous voyez, il y a des petites paillettes. J'ai pris ça, j'ai pris le Millennium, le tome 6, je ne vais pas y arriver, la fille qui devait mourir. Voilà, je vous zoome un peu sur le fil de l'histoire. Voilà, j'ai lu les deux premiers tomes. Donc, j'ai pris celui-ci et j'ai pas la facture sur moi, mais c'était aux alentours des 8 €. Voilà. J'ai acheté donc ça. Je me suis pris une boîte de crayons. Une boîte de crayons chez Leclerc, 24 couleurs. Il va falloir que je les laisse ici d'ailleurs. Toutes les années, je rachète des crayons. Et dernière petite chose, pardon, d'intéressant que j'ai pris. Bon, la prochaine fois, je prendrai le trépied parce que là, ça fait un peu fouillis, hein. Dernière petite chose, c'est un. Comment ça s'appelle? Art Thérapie, c'est un livre de coloriage. C'est à 9,95 €. Moi, j'ai pas le détail du prix, j'ai juste le ticket de carte bleue. Bon, enfin bref, c'est les 60 coloriages anti-stress Art Thérapie Disney Princesse de la collection Hachette. Voilà, alors, je pense que ce sont des pages qui se détachent. Hop, alors là c'est Yasmine, je pense. Jasmine, alors, je suis pas très calée dans les Disney, hein, je suis désolée. Voilà, il y a celui-ci. Voilà, ça c'est Mulan. Là c'est Réponse, je pense. Là c'est Blanche-Neige, etc. Vous voyez, il a l'air assez simple. Moi, il me fallait un coloriage plutôt rapide. Là, c'est Mulan.
Enfin, plutôt rapide, pas trop trop compliqué. Alors oui, vous voyez, la litière de mes cochons d'Inde, je l'ai changée tout de suite après. Ces réponses aussi, bah c'est marqué en plus. Alors je vais essayer de grossir un peu, hein. Voilà, Cendrillon, il est assez sympa, je me suis dit, pour une journée comme aujourd'hui où il va pleuvoir toute la journée, normalement demain il devrait faire un peu plus beau. Hop, bon je ne vais pas, je veux pas vous montrer les 60 pages, hein. Voilà à peu près comment il se présente. J'aime bien qu'il y ait des pages un peu comme ceci, vous voyez. Voilà sur le côté. Donc voilà pour le petit coloriage. J'ai craqué quand même pour un livre alors que j'ai ma liseuse. J'ai continué à lire ben, ce que je vous ai présenté, Autopsie d'un drame, je crois. Oui, je crois que c'est ça le titre. J'ai plutôt bien avancé hier soir. Là, je me suis dit, quand il va pleuvoir, eh ben, ce sera du coloriage, hein. Malgré que ça ne nous empêche pas de sortir, hein. Il y a les cinémas et autres. Donc voilà pour le petit coloriage, 60 coloriages anti-stress. J'essaye de vous montrer un petit peu plus. Alors suivez-moi bien sur Instagram, je vais vous poster des petites photos. Voilà, que vous ne verrez pas forcément dans le vlog. Il est assez sympa hein, comme coloriage. J'ai eu du mal à choisir, il y en avait énormément. Vous voyez, il est assez sympa, moi je trouve, hein. Ça pour un petit coloriage de vacances. Très 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 sympa. Et donc, oui, donc le livre, j'ai commencé, enfin je l'ai plutôt bien avancé, hein. Alors oui, là, dans cette petite trousse-ci, j'ai pris tous mes câbles de téléphone, écouteurs, etc. J'ai trouvé que c'était assez sympa, cette pochette-ci. Ah oui, j'ai acheté aussi des lunettes vues, des lingettes lunettes vues. J'en ai ramené de chez Action, mais je me suis dit, il suffit que j'en ai pas assez, comme moi, je suis assez maniaque. Je nettoie souvent mes lunettes et mon téléphone, donc j'en ai racheté une paire. J'ai racheté une boîte, comme chaque année. De boîtes de mouchoirs tout simple, hein. Voilà, c'est les Éco, c'est la marque Repair, les Caresses, la marque Caresses. Et vous en avez combien dedans? Bon, enfin, il y en aura assez pour les vacances, je pense. Voilà, je ne sais pas combien il y en a dedans. 110 mouchoirs. 110 mouchoirs blancs, double épaisseur. Voilà, j'en ai racheté quand même. Voilà, c'est ça que je vous avais dit dans mon précédent vlog. J'ai pris deux Choupa Choups. Ils sont vraiment très très bien, ceux-là, Watermelon. Et donc, oui, pour revenir à ma lecture, j'en suis à peu près. Donc, c'est Autopsie dans le drame, hein. J'ai lu 8% du livre. Donc, ça, c'est plutôt sympa. C'est marqué environ 14 heures. Donc, je vais continuer cette lecture-ci qui est assez passionnante. Voilà, et puis après, donc, eh ben, je continuerai par Millennium. J'ai lu déjà les deux premiers tomes. Voilà, ben, je vais lire le 6 après, hein, c'est pas grave. Donc, je suis très très contente pour le petit agenda licorne. Je vais essayer de mieux vous montrer du coup. Bon, rien d'exceptionnel, hein. Bon, c'est surtout un agenda scolaire. Vous avez des petites recettes. Ben, c'est un peu comme celui que j'avais acheté l'année dernière. Il y était en plus. Mais celui-ci est un peu plus gros. C'était aussi un agenda licorne que j'avais pris l'année dernière. Mais là, je voulais quelque chose de différent. Un super agenda pour s'organiser durant toute l'année scolaire. Du bonus en bonus, des citations, des colos, des jeux, des recettes et de la place pour les notes perso et les dédicaces. Voilà, c'est les éditions 123soleil.fr. Alors là, addition, multiplication, bon, bah ça, je connais, hein. Ces agendas scolaires, donc voilà. Alors là, vous avez notes et idées. Vous avez les petits stickers. Voilà, là, c'est au mois d'août 2022, hein. Il pleut, des étoiles filantes, vite, je fais un vœu. Alors, ce mois-ci, c'est décidé, je profite des vacances, je crée une glace parfum licorne. C'est assez sympa comme agenda, moi, je trouve. Il est vraiment très, très bien. C'est assez girly, hein.
Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? En stickers, non, il n'y a pas grand-chose, je trouve. Il y en a moins que dans celui de l'année dernière. Mais bon, j'ai plein de stickers à la maison, hein. Voilà comment ça se présente. J'essaye de vous montrer vite fait. Bon, j'ai plus la facture. Je sais que le masque était quand même moins cher qu'à Carrefour, 4,44 €. Et je vous ai dit, les Dash Shoulders, il y avait une réduction d'1 €. Il y avait quelques petites promos beauté Leclerc, enfin quelques petites promos beauté Leclerc, ouais, à l'intérieur. C'est plus les promos beauté Leclerc, mais il y avait quelques réductions à l'intérieur. À l'entrée du magasin, sur Sobioéthique, j'ai vu. Bon, j'ai pas pris de maquillage, hein. J'ai essayé d'esquiver le rayon maquillage, hein. Voilà, j'irai plutôt voir chez Sephora. Là, c'est que le premier jour de vacances, hein. Enfin, le deuxième jour, on est arrivé hier. Donc, je me suis dit, soyons raisonnables. Voilà, il est plutôt sympa, ce petit agenda, hein, vous voyez, il brille en plus. Et puis, ce masque-ci, non, c'est pas le même que j'utilise d'habitude. Une peau défatiguée, c'est un peu le même style. Mais il a l'air purifiant celui-ci. Anti-pollution, anti-fatigue, anti-stress, purifiant et oxygénant. Et de toute façon, Barbara Gould, s'il est comme l'autre, je pense qu'il sera plutôt top. Voilà, donc pour ce samedi, oui, alors là j'ai accroché mes vestes. Hein. J'ai pas encore tout bien rangé, on est arrivé hier, donc il fait pas beau. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, comme je vous ai dit, normalement demain il doit faire beau. Eh bien, écoutez, pour ce samedi 10 juillet, oui, c'est ça, 10 juillet, je ne sais plus dans les dates. Eh bien, écoutez, je vais couper pour le vlog. Hein, j'aurai rien de spécial à vous montrer aujourd'hui, pour cet après-midi. Je me suis maquillée avec la petite palette Fire. Je ne vais pas vous la sortir, hein, je vous l'ai vu. Je vous l'ai fait voir dans l'autre vlog. Petite palette Too Faced, vous savez, avec une petite boîte d'allumettes dans les couleurs orange, orange jaune. Voilà, bah écoutez, je vous dis à un autre jour pour vous. Là, je vais pas tarder à aller manger. À plus tard, bye bye. Voici à Aromanche, toujours le 10 juillet. Il fait très très beau. Magnifique. Je vous montre juste la plage. Et on va continuer à se balader. Là, on est aux abords d'Aromanche. Regardez comme c'est beau. Tout en hauteur. Là, il fait super beau. C'est magnifique. Il a plu beaucoup ce matin et là, tout d'un coup, il fait super beau. Avec la petite cascade au loin, ouais, je pense que vous la voyez bien. Hop. Voilà. Bonjour. Rivière de Bayeux. Nous sommes dimanche 11 juillet. C'est magnifique ici, j'adore. Voilà, je vous fais un petit aperçu. C'est joli, c'est magnifique. Bonjour à tous, nous sommes mardi 13 juillet. Il fait enfin beau. Voilà, on est au bord de la mer. On va se balader un petit peu. Il est à peu près 19 h. 19 h 09. Voilà, je vais m'approcher un petit peu. Vous avez les drapeaux, petit blocos, blocos. Voilà, il fait enfin beau. S'il a plu quand même pas mal, surtout dimanche. Dimanche, il a beaucoup plu. Hein. Et là, aujourd'hui, normalement, à partir de demain, c'est vraiment le beau soleil. Normalement. Mais là, c'est vrai qu'il fait super beau.
On va aller manger des moules, des frites. Alors par contre, je vois pas trop ce que je filme parce que j'ai le soleil dans les yeux. J'ai oublié mes lunettes de soleil. J'ai pris juste mon petit sac que je vous avais montré d'un haul action. Vous voyez, il y a un petit ponton là où il y a des pêcheurs. Alors comme je vous dis, je vois pas trop ce que je filme. Hein. Voilà, vous voyez la mer, il fait beau, enfin, ça fait du bien. Ça commence à être un petit peu saoulant hein, cet été. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais, pour le 13, là, je pense pas vous reprendre. Parce que mon mari n'aime pas trop qu'on fasse des vlogs, il veut qu'on soit un peu en famille, ouais, vous avez compris. Voilà, donc bah écoutez, je vous ai déjà montré la mer. Et puis bah je vous dis à certainement à jeudi. Voilà, à plus tard. Alors coucou à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 15 juillet. Donc je continue le vlog et il y a une surprise. Voici Manon Make-up. Voilà, donc là on est à Mondeville. Et puis ben, on va continuer à se balader. Voilà, on prend un petit café. À plus tard. Qui dit rencontre autre youtubeuse veut dire Action. Action. Voilà, on va aller chez Action. À plus tard. Alors coucou, nous voilà à Nose. Alors j'ai déjà commencé à acheter un petit peu. J'ai failli partir avec le carton. Le carton de fond de teint. Non, de vernis à ongles. Il y a un gros arrivage. Il y a un énorme arrivage. Ok, regardez tout ce qu'il y a. C'est super. Waouh. Ah oui, il y a une nouvelle technique. On va encore craquer. On va, ouais, on va. Vous aurez tout ça dans le vlog. Bah voilà, on a fait quelques petits achats. Donc Sephora, Action, Stockomanie et Nose. Voilà. Et elle a beaucoup craqué. Socomani, j'ai acheté une palette. Oui. Voilà. Par ma faute. Ah oui, c'est la faute à Manon. Voilà. Et puis là, bah, y a une super vue. Bah... Vous avez le petit château. Coucou à tous. Donc, nous sommes toujours le jeudi 15 juillet. Donc comme vous avez pu voir dans le vlog, donc j'ai rencontré Manon à qui je fais d'énormes bisous. Franchement, c'est une très 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 belle personne, super gentille, une super rencontre. C'était vraiment une super rencontre. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Donc on a fait des petits achats. Donc chez Sephora, Action, Nose et j'ai acheté une palette chez Stockomanie. Et par contre, Manon, elle a été raisonnable, elle n'a rien acheté chez Stockomanie. D'ailleurs, allez voir son vlog, c'est assez marrant, elle disait que j'avais beaucoup craqué. Voilà, et en plus, elle m'a offert des cadeaux. Voilà, elle a fait du tri dans son make-up. Comme vous voyez, je ne l'ai pas du tout ouvert. Donc, soit je ferai une deuxième partie pour pas que le vlog soit trop long. Voilà, donc je te remercie beaucoup Manon. Moi, je lui avais préparé un petit sac que j'ai complètement oublié. Moi, je n'avais pas acheté grand-chose, j'avais acheté que juste 4 choses. J'avais acheté 2 choses chez Action, 2 choses chez Nose et je les ai complètement oubliées. On était un petit peu juste pour partir. Donc, voilà. Donc, voilà, désolée. Hein, donc, bah, je pense te les faire parvenir hein, de toute façon. Et j'espère surtout qu'on aura l'occasion de se revoir. Toutes les années, de toute façon, on vient ici. Donc, on va commencer par Sephora. Voilà, j'ai acheté 3 choses. Alors, par contre, chez Sephora, il y avait presque plus de soldes. Hein. Je regarde que ça filme bien. Alors, premièrement, j'ai craqué. Ça c'était en solde. Pour le Lanolips, dont j'entends souvent parler, c'est un baume à lèvres. C'est le original, le 101. C'est multi-usage, c'est un baume multi-usage, que ce soit pour les lèvres, pour les pieds secs, etc. Au lieu de 14 euros, je l'ai payé 7 euros.
Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit fard de la gamme Colorful Metal Effect. C'est un magnifique violet. Alors, désolée par contre pour la luminosité. Hein. Comme je vous disais dans ma vidéo Nose et Action, j'ai pas du tout de ring light ici en vacances. Ah, et Manon m'a fait bénéficier de sa carte gold. Donc, franchement, c'est super sympa en plus. Donc, j'ai eu une réduction. Voilà, petit aparté. Donc, le fard violet, je vous ai pas dit le numéro. Je vais essayer de regarder parce que c'est écrit tout petit. C'est le numéro 32 ultraviolet. Il y en avait plusieurs des violets comme ceci. Ça, pour mettre tout seul, ça doit être génial. Donc, le ultraviolet était à... Je crois que c'est 6,99€. Voilà, 6,99€, il est vraiment très très beau. Hein. Il est petit, normalement c'est un violet pailleté, vous ne verrez pas les bonnes couleurs. Donc voilà pour ça. Et le dernier achat qui était à 31€, et grâce à Manon, j'ai eu 3,10€ de réduction par sa carte gold. C'est la poudre bronzante, c'est marqué poudre bronzante mise à nu, de la collection Too Faced, le Teddy Bar. Vous savez, mon amour pour les autres, les bronzeurs, les poudres bronzantes. Franchement, j'ai hésité à le prendre. Il était à 31€. Et je me suis dit, allez hop, je vais craquer. Voilà, c'était le dernier en plus. Donc, c'est avec un packaging en forme de nounours, si il veut bien sortir. C'est vrai que Too Faced et les packaging, regardez un petit peu. Et le grammage, il y a 8 grammes. Hein. Et c'est marqué poudre bronzante mise à nu. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué comme ça. Voilà le petit packaging, le petit nounours. Ah ouais, il sent un petit peu le chocolat sucré. Alors vous voyez, vous avez les yeux, le nez et le cœur. Qui est marqué Too Faced. Là, en doré, bon, ça va vite partir. Hein. Dès qu'on trempe le pinceau dedans, ça va partir. Donc, ça, c'est vraiment top. Hein. Qu'est-ce qui nous marque? Enveloppez votre peau d'une douce chaleur de miel doré. Ça sent le miel doré, apparemment. Pour la faire rayonner, cette poudre bronzante longue tenue au fini soyeux vous offre un teint naturel à l'éclat ensoleillé comme une seconde peau. Ah oui, enrichi en miel de manuka et en cannelle, cette teinte universellement flatteuse, effet peau nue peut être utilisée sur le visage, les paupières ou toute autre partie du corps que vous souhaitez illuminer naturellement. Mettons ici, sur le cou, etc. Donc sur les paupières, sur les joues. Alors, encore une fois, je suis désolée pour la luminosité, hein. On verra pas mieux. Hein. Bon, c'est un bronzer avec le petit cœur doré. Voilà, je suis très très contente. J'ai hésité à le prendre, j'avoue. Hein. Voilà, 31€. Et donc, j'ai eu la réduction de la carte gold de Manon. Voilà, franchement, les packaging Too Faced sont vraiment top. Hein. Et c'est la couleur Honey Bone Glow. Mais je pense que c'est la seule couleur. Hein. Dites-moi si je me trompe. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté chez Sephora. J'ai quand même une remise pour tout ça de 12,20€ hein, quand même. Hein. J'en ai eu pour 46,78€. Voilà, pour ces trois produits Too Faced. Voilà, que je vais remettre directement sans faire de bêtises. Le Lanolips, ça fait un moment que je voulais les tester. J'en entends beaucoup parler, puis j'aime bien les baumes multi-usages. Ensuite, on va passer chez Action. Alors, chez Action, je ne vais peut-être pas vous donner tous les prix au fur et à mesure. En plus, je n'ai pas le ticket, apparemment. Je ne vois pas le ticket. Je vais essayer de me remémorer. Ah, si, j'ai le ticket. Alors, ah oui, c'est Manon qui les a trouvés, d'ailleurs. Qui les a vus. Les nouveaux crayons Max & More, un peu effet pastel. Voilà, c'est la nouvelle collection. Et ceux-là, ils étaient à 2,49€. Ils viennent de sortir, ceux-là. On a l'impression que c'est les mêmes couleurs, mais là, vous avez un vert et un bleu.
Donc normalement, vous en avez 10 hein, dedans. Crayon de maquillage pour définir ou modeler vos lèvres ou appliquer en trait autour des yeux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous avez le nom des crayons derrière. Donc ça, c'est 2,49 €. Voilà. Ensuite, j'ai repris deux masques au titri. J'en ai fait un hier soir. Non, ce matin, pardon. Alors, je vais essayer de retrouver les prix. Mais comme moi, je ne sais pas trop faire les montages, et comme la vidéo risque d'être longue, je vais essayer de passer vite fait. Si je trouve pas les prix, vous m'en voudrez pas. C'est 69 centimes le masque, donc j'en ai pris deux. Voilà pour ça. J'ai pris un dentifrice Colgate au charbon. Voilà, dentifrice était à 1,99 €, 75 ml. Je l'ai souvent vu passer dans les halls, donc on va tester. Ensuite, j'ai pris, pour rester dans la beauté, des petites boucles d'oreilles. D'ailleurs, celles-ci, ce sont les boucles d'oreilles de mon dernier haul Action. Voilà, des petites boucles d'oreilles en forme de feuilles. Bon, il y en a une qui est mal mise. Bon, enfin bref, vous voyez. Je crois que ça, c'est 90, ouais, c'est 99 centimes. Voilà, alors, je vais essayer de mieux les remettre. Bon, enfin, vous avez vu, hein, les petites boucles d'oreilles comme ceci. Ensuite, j'ai pris une poudre scintillante. Voilà. Alors, la poudre scintillante. Alors, Face and Body pour visage et corps à 1,99 €. Voilà, j'en avais à la maison, mais j'ai pas celui-ci. Et comme je les ai ouverts et que j'ai pas gardé le packaging, j'avais peur que ça se déverse dans mes valises. Donc, j'en ai acheté un en vacances. Voilà. Donc, 1,99 €. Ensuite, j'ai acheté des trombones. Bon, ça, c'était pas très cher, les trombones. Alors... Bon, écoutez, je retrouve pas le prix, mais ça devait être à moins de 1 €. Hein. Ensuite, pour rester dans la papeterie, j'ai pris des crayons pailletés, des crayons HB. Hein. Pencil HB, ils sont très très beaux. Et ceux-là, ils étaient à... Alors, crayon plus gomme, 56 centimes. Et vous en avez... 3, 5, 7, 10 dedans. 56 centimes, ça vaut vraiment le coup. Hein. Alors ensuite, j'ai pris 3 anneaux pour les smartphones. Parce que la dernière fois que j'avais changé mon téléphone pour récupérer l'anneau, bah, mon mari l'a découpé de la coque de mon ancien téléphone. C'est celui-ci d'ailleurs que j'ai sur mon téléphone. Il a mis du double face. Donc là, j'en ai repris 3. Ça, de mémoire, c'était à 99 centimes. Voilà, j'ai pris doré, j'ai repris rose et j'ai pris gris. Voilà, ceux-là, ils sont géniaux. Et comme je ne les trouvais pas dans mes actions en région parisienne, eh ben j'en ai pris 3 direct. Franchement, pour 99 centimes l'anneau, je me suis dit, je vais pas me priver. Hein. J'ai pris une petite carte de vœux, tout simplement. Hein. Je crois qu'elle était à 75 centimes. Si j'ai un petit cadeau à faire, carte de vœux, 65 centimes. Voilà, avec un petit diamant. Alors, j'essaye de passer vite, hein, comme je vous ai dit. J'ai repris mes petits stickers que j'ai pris la dernière fois. Vous savez, dans mon dernier haul action, les petits stickers girly, que vous avez vu dans mon dernier haul action. Je ne vais pas tout vous remontrer, hein, avec les petites palettes, les petits parfums, etc. Je vous laisse voir la vidéo d'avant, le dernier haul action. Voilà, donc ça devait être à 99 centimes, je pense. C'était au rayon enfant. Alors, je ne vais pas m'attarder si je trouve pas, hein, comme je vous ai dit, si je trouve pas les prix. Non, c'est 99 centimes, excusez-moi.
Ensuite, j'ai pris deux carnets à spirale. J'ai pris le Mickey Mouse pour me faire comme un petit livre, un petit cahier de vacances à spirale. Et ceci était à 1,79€ avec la licence Disney. Hein. Voilà, donc j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci que j'ai vu sur la chaîne de Mélanie Luna d'ailleurs. Donc ça c'est pareil, c'est 1,79€. J'en avais pris un au début que je suis allée reposer en rayon car je préférais ceux avec les anneaux. Il y en a un avec les anneaux dorés, rose gold, et un autre avec les anneaux dorés. Voilà, 1,79€. Je ne sais pas combien il y a de pages. 80 pages, je pense, c'est des A5, carnet notes licence, spirale, A5. Je crois qu'il y a 80 pages. Donc, voilà pour ça. Ensuite, en papeterie, je crois que c'est tout. Ouais, avec les petits crayons que je vous ai montrés. Et ensuite, les derniers achats, c'est une paire de baskets pailletées. Voilà. Ah, vous verrez pas bien les paillettes. Bon, c'est argenté. Je crois pas que ça dure très très longtemps. On dure en taille 37. Et moi, là, ce que j'ai au pied, c'est des baskets de chez Action. Et celles-ci, elles étaient à 4,99€. Par contre, ils appellent ça des mocassins structurés. Voilà, en taille 37, c'était la seule qu'il y avait. Elles sont vraiment très très belles. Bon, je pense pas qu'elles ont duré des années, hein. Parce que la toile est assez fine. Là, vous voyez bien la couleur, par contre. Voilà. Et ensuite, j'ai pris dernier achat. Voilà, chez Action. Vous voyez, j'ai pas pris grand-chose. Normalement, je vous ai tout montré. Il y a juste les petits trombones. J'ai pas trouvé le prix. J'essaie de regarder vite fait. Ah, c'est 79 centimes et vous en avez 200 dedans. Voilà, c'est des rose gold et des argentés. Et le dernier article, c'est un t-shirt avec des petites feuilles en taille S. Voilà, comme ceci, blanc, tout simple. Et celui-ci, il était à 3,69€. Voilà, chez Action, j'en ai eu pour 27,06€. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, seul achat que j'ai fait chez Stokomanie, c'est une palette à 9,99€. De la marque Miscope, c'est la Colored 002. Je vais vous montrer la palette, j'ai hésité à la prendre. Voilà, franchement, elle est très très belle. Vous avez combien de fards dedans? Je l'ai vu marqué, vous avez 29 fards à paupières. Alors, je vous montre un peu la palette. En sortant du magasin, j'ai quand même voulu regarder si elle n'était pas cassée. Alors que c'est super bien emballé, mais on ne sait jamais. Hein. Voilà comment elle se présente. Elle est vraiment super belle. Ça me fait penser un peu au Naked. J'ai la Naked 2 et ça ressemble un peu, je trouve, sauf qu'elle n'est pas aussi grande. Et voici les couleurs. Vous avez un pinceau, c'est ce que je disais à Manon, qui me fait penser au pinceau des Naked. J'ai la Nekidone, la Nekid 2, et ça me fait exactement penser à ça. Et je trouve que le petit film en plastique est assez qualitatif. Voilà. Et voici les couleurs. Franchement, le pinceau, on dirait vraiment un pinceau des... les Nekid, c'est Urban Decay. On dirait vraiment les pinceaux qu'il y a dans les Urban Decay. Franchement, ça y ressemble étrangement. Et voici les coloris. Il y a des mats, des irisés. J'ai surtout craqué pour les violets. J'avoue que j'ai hésité à la prendre. Par contre, ouais, vous ne verrez pas les bonnes couleurs. Alors, en mettant comme ça, vous verrez un peu plus les couleurs métallisées. Là, vous voyez, vous avez l'impression que vous avez les deux mêmes couleurs. Mais elles sont vraiment très, très belles. Franchement, j'en avais pas besoin, mais j'ai craqué. Voilà pour Stokomanie. Franchement, vous avez de tout, du nude. Vous avez même une couleur pour unifier la paupière, vous avez du blanc, vous avez vraiment toutes les couleurs. Hein. Voilà, vous voyez, par contre vous verrez, ah oui, en mettant comme ça, vous voyez les bonnes teintes. C'est vrai que quand on n'a pas de ring light sous la main, c'est pas évident. Hein. Voilà, je pensais que j'avais fini, mais non, là il y a le haut, le nose. Alors je vais peut-être vous faire une deuxième partie pour vous montrer les cadeaux de Manon, je vais voir...
en essayant de monter le vlog à combien je serai de minutes, à combien de minutes fera déjà bah avec le haut là, le vlog. La dernière fois, il y en a eu pour 2 heures de vlog. Voilà, mais c'est ce que je disais à Manon, je ne sais pas trop faire les montages. Je ne sais pas du tout faire les montages. Donc voilà pour cette palette. Franchement, j'ai hésité à la prendre. Puis à 9,99€ pour combien je vous ai dit? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 fards. Ça valait vraiment, vraiment le coup. Voilà, en plus, il y a un super pinceau avec. Voilà. Donc, je suis très, très, très contente. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu craqué quand même. Hein, entre Sephora et je suis passée devant un Saga. On en parlait avec Manon. Parce qu'après, on a été à Caen. Voilà, elle a pris son tramway, je crois. Et elle m'a dit, si tu passes devant Saga, tu vas craquer. On n'est pas rentré dans le Saga. On est passé juste devant, hein. J'avais déjà fait des achats chez Saga, il y a plusieurs années. Et franchement, c'est un super magasin. Il y a des palettes, il y a des produits, il y a tout hein, chez Saga Cosmétiques. Mais là, j'ai pas craqué, j'ai résisté. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de dépenses et les vacances. Hein. Donc là, les achats après, je vais un peu freiner. Hein. Bon, je remettrai mieux ça après. Alors ensuite, on va passer au petit haul nose. Voilà. Donc, c'est parti. Je prends le sac carrément dessus. Et je vous ferai une autre partie, je pense, pour les cadeaux de Manon. Alors, premièrement, c'est Manon qui l'a vu d'ailleurs. C'est un petit miroir en forme de chat à 2,60€. Donc là, c'est le haul nose. Hein, j'ai oublié de vous dire. Voilà, là c'est le haul Nose. J'en ai eu pour 21,63€. Franchement, chez Nose, ça vaut vraiment le coup. Hein. Là, c'est Nose Mondeville. Voilà, donc il faut. Donc il est en blanc. Voilà, c'est un petit miroir. Où vous avez les oreilles de chat. Ça se présente comme ceci, vous voyez, il faut le monter, etc. Bon, je ne vais pas le faire maintenant. Il est vraiment très, très beau, très girly, je trouve. C'est marqué Cosmétique Mirror. Voilà, franchement, j'ai hésité à le prendre. Et je ne pouvais pas le laisser, il était trop beau. En plus, on peut accrocher des bijoux, hein. On peut accrocher ce qu'on veut, hein. Il y a le petit socle pour pouvoir le poser. Voilà, donc ça, je le montrerai un autre jour. Ensuite, alors, j'essaie de faire de la place. Ensuite, j'ai pris des bics. Voilà, il y a du vert, du rose, du bleu, plusieurs bleus, plusieurs noirs. Ça, c'était à 1,59€. Moi, c'est surtout le bleu et le violet qui m'intéressaient. Ce sont des petits bics et le petit vert pomme. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris un parfum. Ça, je l'ai vu dans un haul. Bonsoir Paris. Avec une superbe bouteille en forme de Tour Eiffel. Il y en avait deux. Il y avait soit le violet, soit le... C'est de l'eau de parfum 100 ml ou soit le rose pâle. Alors par contre, on ne sait pas ce que c'est comme odeur. Et je ne vais pas l'ouvrir, hein, sinon la vidéo va durer trop trop longtemps. Et je l'ai payé 2,99€. Même si la senteur n'est pas géniale, ça peut faire un objet de décoration avec la Tour Eiffel. Hein. Voilà, 2,99€ pour notre parfum. Juste pour l'objet de décoration, c'est top. Ensuite, mon mari s'est pris du Tang. Alors, par contre, le Tang, je ne sais pas combien c'était. Ça, c'était pas cher. Hein. 59 centimes. C'est le seul article où il n'y a pas le prix. Ensuite, mon mari s'est pris un outil. Je crois que c'est un tournevis. Hein. Ça, c'était à 79 centimes. Voilà, un petit tournevis de la marque. Bah, écoutez, je ne sais pas de quelle marque c'est. Voilà. Ensuite, c'est Manon qui a trouvé les palettes, qui les a vues, elles étaient encore emballées dans le carton.
On a demandé, enfin, elle a demandé au monsieur si on pouvait les prendre dans le carton, tout simplement. Voilà, et ils étaient en train de charger dans les rayons. Alors, je vais vous sortir tout ce que j'ai pris, tout ce qu'on a trouvé. Alors, on va commencer par quoi? Par ce... Ça, c'est Manon qui l'a trouvé. Et moi, j'aime bien les... C'est de la marque Technique. J'aime bien les ombres à paupières métalliques. Et ça, l'ombre à paupières métallique, elle était au prix de... Ça devait pas être très cher. Alors, ouais, comme c'était... je crois que c'est 99 centimes, comme c'était pas encore étiqueté. Mais à la caisse, elle a pu trouver, la dame. Et la couleur, c'est... Alors là, je pourrais pas vous dire, par contre. C'est une couleur un peu violette, hein, c'est des ombres crème. Voilà pour ça. Alors, vous verrez pas la bonne couleur. Ensuite, j'ai pris deux sprays comme ceci pour corps et visage. Mais moi, je pense surtout en mettre sur le buste, sur un décolleté. Pas sur le visage, par contre, vers le cou. Ces deux petites brumes-ci, je ne sais pas de quelle marque c'est, par contre. Ah, bah c'est de la marque Technique aussi. Qu'est-ce qui est marqué? Body Collection. Je ne sais pas si c'est ça. Ah, Technique spray pailleté, 99 centimes l'une. Alors, j'ai pris un peu bleu. C'est 30 millilitres, je ne sais pas les couleurs. Bah, vous avez bleu ou rose, hein, c'est pailleté. Voilà, donc c'est la marque Technique. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris un blender. Bah, j'ai repris le même de mon ancien haul Nose. J'en ai repris un deuxième. Et c'est 99 centimes, c'est un simple blotty blender, hein. Vous avez juste des petits dessins sur le packaging. Voilà. Ensuite, j'ai pris un lipstick mat de la marque Technique aussi. C'est un rose un peu bois de rose. Là, vous verrez mieux les couleurs comme ça. Mat finish, donc fini mat. Nouvelle édition. La couleur, je pourrais pas vous dire aussi. Ah, ça, c'était 99 centimes. Je vois pas le numéro de la couleur. Bon, je vais pas chercher, hein. C'était un rose comme ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de rouge. Tout ce que j'ai trouvé là, c'était dans les cartons, hein. Tout ce qu'on a trouvé, hein. Tout ce que je vous montre, c'était dans les cartons. Mais là, c'était déjà étiqueté. Et ensuite, ça, c'est grâce à Manon qui les a trouvés. C'est de la marque Technique aussi. C'est Mega Nude 3. Donc là, il n'y a pas l'étiquette. Donc la Mega Nude 3, elle était à... Par contre, miroir à poser, je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de voir. Je vous ai dit 2,50 €. Mais apparemment, c'est passé à 1,75 € le miroir. Alors, est-ce que s'il y avait une réduction là-dessus? Là, je vois miroir à poser, il n'y a que celui-ci que j'ai acheté. Il était à 1,75 €. Voilà, il est passé à 1,75 €. Alors, la palette Technique Mega Nude à 2,99 €. Voilà, je ne sais pas combien il y a de teintes. C'est une marque anglaise, je crois. Boîtier d'ombre à paupières. Vous avez 12 couleurs, bah, c'est dans les teintes marron nude, hein, tout simplement. Donc 2,99 €. Cette nouvelle palette-ci que j'ai vue dans un haul ce matin, justement, c'est 2,99 € aussi. C'est vraiment des très très grands fards, vous voyez bien les couleurs. Vous avez du neutre, du violet, du vert, etc. Hein, vous voyez. Voilà, donc j'ai pris cette palette. Et la dernière palette et le dernier article de chez Nose, c'est de la marque Body Collection. J'en ai souvent vu dans les All Nose. Ça, je crois que c'était 2,99 € aussi. Je viens de le voir à l'instant. Pareil, c'était pas étiqueté car c'était dans les cartons. Alors, Body Collection, 2,99 €. Palette d'ombre à paupières. Il y a combien de fards? C'est une marque britannique. Et voilà comment elle se présente. 2, 4, 6, 8, 10. Vous avez 12 fards. Vous avez du bleu, du marron.
un petit violet, des petits dorés or, un peu camel. J'essaie de vous montrer, là on voit bien les couleurs. Et voilà pour le All Nose, donc trois palettes aussi chez dans le All Nose, hein, vous voyez. Donc là, j'ai de quoi faire. Et ensuite, on va passer pour les cadeaux de Manon. Alors, je pense que je vais peut-être couper, à voir si je vous le mets à la suite ou si je le mets dans une autre vidéo. Donc, si jamais je coupe et que je vous le mets dans une autre vidéo, n'hésitez pas à regarder la deuxième partie. Voilà. Et puis, Manon, ben, je te remercie pour tous ces cadeaux. Donc, je pense que je vous ferai une deuxième partie, hein. Bah, à tout à l'heure. Enfin, à plus tard. Des bisous. Bye bye. Alors, coucou à tous. On revient pour la deuxième partie. Voilà, la première partie, c'était dans le vlog. Pour les cadeaux de Manon. Voilà, je vous mettrai donc le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc, comme vous voyez, je ne l'ai pas du tout ouvert. Donc, Manon a fait du tri, pardon, dans son make-up et elle a pensé à moi. En plus, elle a tout emballé. J'essaie de vous montrer sans faire de bêtises. Hop, je vais incliner comme ça. Voilà. Donc, je vais découvrir avec vous. Comme vous voyez, je n'ai pas du tout ouvert. Ouh, voyons, je suis gâtée, hein. Waouh. Alors, premier cadeau. C'est super bien emballé en plus. Waouh! Alors ça, ah, oh, c'est un mascara Kiko. Oh, il a l'air top. C'est le Ultra Tech Volume and Curl Mascara. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Alors désolée pour la luminosité, comme je vous disais, hein, j'ai pas de ring light en vacances, donc vous pouvez voir le mascara. Ensuite, ah oui, ceux-là, je les avais déjà eus, ils sont pas mal. C'est les long lasting de chez Max & More. Voilà, couleur un peu orange. Voilà. Un côté, c'est les longues tenues. L'autre, c'est pour matifier. Ensuite, il y a, ça, je ne sais pas ce que c'est. Max & More. Je pense que c'est un crayon. Alors, que je. Un eyeliner. Alors ça, je n'ai jamais testé les eyeliners feutres de chez Action, donc plutôt top. Voilà, elle m'a dit qu'il y avait des produits qui étaient neufs, hein, qu'elle avait en double, etc. Là, un magnifique lip gloss, je ne sais pas de quelle marque c'est. Je ne sais pas du tout, il est très très beau. Moi, j'adore les glosses. C'est un magnifique rose. Je ne sais pas la marque, mais c'est super beau. C'est le Tropical Fuchsia H&M. Ah, j'adore les maquillages H&M. Ensuite, il y a un mascara Max & More. Voilà, à tester. Je ne le connais pas, celui-ci. Ça avait l'air d'être dans un kit qu'ils avaient sorti au moment de Noël, je crois. Il me semble, hein. C'était dans un coffret. Donc, je ne le connais pas du tout, celui-ci. Oh, ensuite comment ça s'appelle? De chez Make-up Révolution. Je pense que c'est un gloss. Waouh, il est super beau. C'est tout à fait mes couleurs. C'est un marron pailleté. Regardez un peu. Il est trop trop beau. Franchement. Ouais, il sent super bon en plus. J'adore sentir les rouges à lèvres. Il est très très beau. Manon est comme moi, elle adore Make-up Révolution et Too Faced d'ailleurs. Il est vraiment très très beau. J'essaie de voir s'il y a un numéro. Donc par contre, je ne vois pas de numéro. C'est le Accomplish. Ben, je crois que c'est le nom Accomplish. Vous ne verrez pas la bonne teinte. C'est dommage. Voilà. Ensuite, il y a un rouge à lèvres de Gabriella's Cosmétique. Ça vient de chez Nose, le Naked. Ah oui, ça c'est un arrivage d'il n'y a pas longtemps, le Nude. J'avais hésité à le prendre la dernière fois justement. Waouh, il est complètement neuf en plus, regardez. Et Gabriella's Cosmétique, c'est sorti il n'y a pas longtemps, hein. Avec la petite couronne, je vous avais montré dans mon dernier haul Nose, un petit doré d'ailleurs en fard à mono.
Waouh, ils sentent bon la vanille en plus. J'avais hésité à m'en prendre en plus. C'est super. Waouh, top. Les packagings sont assez sobres. J'adore. Ensuite, il y a un rouge à lèvres. Je pense que c'est Max & More, celui-ci. Oui. Ah, celui-ci, je ne l'ai pas eu. J'en avais acheté, mais pas celui-ci. C'est un rouge un peu violet, bordeaux. Très, très, très contente. Totalement neuf, hein. Au top. J'en avais acheté de cette gamme-ci de chez Action. Mais celui-ci, c'est sûr, je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas du tout, hein. Donc, ça, c'est vraiment top. Alors, ensuite, il y a. Je crois que ça, c'est du Messoda. Messoda. Oh, le 407 Gardenia. Un magnifique rose violet. Waouh, il est tout pailleté. Messoda Milano, je crois. Ouais, c'est ça, Messoda Milano. Je l'ai souvent vu dans les All Nose. Vous voyez, il est plein de paillettes. Elle me connaît, Manon. Elle sait que j'adore les paillettes. D'ailleurs, quand elle a vu les baskets, elle a pensé à moi tout de suite. Chez Action. Elle a repéré aussi que. Enfin, elle a vu que j'adorais tout ce qui était pailleté. Comme les crayons et autres. Ensuite, il y a un petit crayon. Ah, bah ça devait aller avec le rouge à lèvres de chez Action. Ouais, c'est la même teinte. C'est ça, c'est le parfait combo. Ils vendaient à un moment le rouge à lèvres et le crayon. Donc ça, c'est top. Je ne vais pas vous montrer la teinte, hein, c'est comme le rouge à lèvres Action. Ensuite, il y a. Ça, j'ai l'impression que c'est. Ah oui, c'est PB Cosmétique. Un rouge à lèvres aussi. PB Cosmétique, c'est le numéro 3. C'est un feutre. Donc ça, c'est plutôt top. C'est bien pratique, les feutres d'ailleurs. Donc ça, à tester. Je ne crois pas que j'en ai eu en feutre de Pépé Cosmétique. Ensuite, j'ai eu un échantillon de J'adore. Alors ça, pour les vacances, c'est plutôt top, hein. Je l'utilisais d'ailleurs pendant les vacances. Un échantillon de parfum Chanel numéro 5. Alors, je l'ai déjà en eau de toilette. J'adore ce parfum. C'est vrai que ça fait un parfum un petit peu, on va dire, vieillot pour femmes mûres, hein. Mais j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien le Chanel numéro 5, mais en eau de toilette, pas en eau de parfum. D'ailleurs, celui-ci, c'est en eau de toilette, car en eau de parfum, c'est assez prenant, hein, je trouve. Elle m'a vraiment gâtée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Ensuite, il y a un petit fond de teint Chiéchez d'eau. Waouh! Ah, il m'a l'air peut-être légèrement foncé, à tester. Peut-être pas, hein. Non, non, peut-être pas. Non, non, ça doit être la bonne teinte. Un rouge à lèvres Mua. Ça, j'ai déjà du maquillage Mua Academy. Celui-ci, je ne l'ai pas du tout. C'est le 15 Juicy, Shade Juicy. Un magnifique corail, mais c'est totalement neuf, hein. Franchement, vraiment, tu m'as vraiment gâtée maintenant, hein. Et un dernier. Oh là là, une miniature mascara volume effet fossile Yves Saint Laurent. Alors celui-ci, je ne l'ai jamais testé, hein. J'ai déjà testé des mascaras de luxe, mais celui-ci, jamais, hein. Donc premier paquet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Tu m'as vraiment gâtée maintenant, hein. Ensuite, elle m'a mis beaucoup d'échantillons. Oh là là! Oh là, je suis gâtée, hein. Là, j'ai pris dans le fond. Il y a une crème gommante visage Bye Bye le teint interne. Justement, j'ai oublié de me prendre un gommage pour le visage. Donc ça, c'est top. Merci beaucoup. Il y a comme une évidence de chez Yves Rocher. Il y a Boschia. Une huile fraîcheur nettoyante et démaquillante. Ça, c'est top aussi. Je ne connais pas. Il y a Tony Moly, un gel crème. Donc, je pense que c'est une crème. Une crème de jour. Waouh, j'adore. Il y a Youth and the People. Je ne connais pas cette marque. Je pense que c'est un nettoyant visage. Utilisé à. Ouais, humidifier le visage. C'est un nettoyant visage. La marque Youth to the People. Alors, désolée pour la lumière.
Il y a le Boschia aussi, hydratant à l'eau d'eucalyptus. Alors ça, je regarderai ce que c'est. J'ai l'impression que c'est pour nettoyer la peau. Non, c'est comme une crème. Enfin, je lirai. Il y a le Sephora Matte, poudre matifiante. Waouh, génial. Filorga, Oxygène Glow, crème super perfectrice éclat. Tu m'as vraiment gâtée, Manon, hein. Le Nocibé Natural, un masque gommant purifiant pour peau encombrée. Avec 99% d'origine naturelle, ça vient de chez Nocibé. Et une crème gommante, elle en a mis deux. Oh, c'est génial. En plus, je n'avais pas pris de gommage sur moi, en plus. Enfin, pour mon lieu de vacances. Et c'est pas fini, hein. Il y en a encore plein. Waouh, maintenant, là, je suis gênée, hein. Je suis très, très, très gênée. De toute façon, je t'enverrai ce que j'avais préparé. Il y a un petit baume de chez Action à l'amande. Je les connais, ceux-là, je les adore. Ça, pour mettre dans le sac, c'est top. Il y a un strip, ça vient de chez Action au charbon pour le nez, de chez Avira, donc de chez Action. Il y a le bubble mask, ça, c'est top. Ça fait de la mousse. Ça, je le connais aussi et je l'adore, le monodose. Il y a le masque hydrogel pour les lèvres, qui est plutôt top aussi. Tu m'as vraiment gâtée maintenant, hein. Là, franchement, je suis gênée. Et c'est pas fini, hein. C'est pour ça que je vous ferai une deuxième partie. C'est pas fini, c'est pas fini. Alors, je vais essayer de pousser sans faire tomber. Waouh, en plus, elle a tout bien emballé. Oh, je ne sais pas ce que c'est. Oh ouais, ça je l'ai déjà. Je ne sais plus lequel que j'ai de chez Rimmel. Ça se vendait chez Action, mais ce n'est pas grave. C'est le Royal Blush. Je crois que c'était celui-ci que j'avais. Le 02 Magic Pink et le Peach Jewel. Je crois que j'ai que celui-ci. Ce sont des fards à joues crème. Voilà. Fard à joues crème rose. Je crois que je l'ai déjà celui-ci. Je l'utiliserai en premier. Et l'autre, celui que j'ai pas du tout touché, je l'offrirai à quelqu'un de ma famille. Et il y a le coral. Voilà, qui est très très beau. C'est de la marque Rimmel, hein. Ça se vendait chez Action. Donc très très contente. Ensuite, il y a de la marque Rolf Anster. Un fard à poudre, je ne connais pas du tout, c'est un blush. Hein, tu me fais découvrir des marques que je ne connaissais pas. Il est tout neuf en plus. Un petit fard à joues. Oh, j'ai perdu l'emballage. Le petit film. C'est un fard à joues un petit peu marronné. Voyez. Alors, je ne sais pas où tu l'as acheté, mais ça a l'air sympa. Et il y a un petit miroir. Ça, je ne connais pas du tout. Donc ça, c'est plutôt top. Waouh, ça me fait découvrir des marques que je ne connais pas. Ensuite, il y a le bronzer de chez Action Max & More. Je l'ai déjà, la Hit. Je l'avais eu dans dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Voilà, dans le calendrier de l'Avent. Il faudrait que je l'utilise d'ailleurs. Mais je vais utiliser le tien en premier, celui que tu viens de m'offrir. Et celui que j'ai déjà, je l'offrirai à mon à quelqu'un pardon, de mon entourage. Je vais y arriver. Oh là là! Un magnifique, je ne sais pas ce que c'est. Ça vient de chez Nos, je pense, la marque Mua Academy. C'est un highlighter. C'est le Rosewood Glimmer. Il est superbe. Là, tu ne l'as pas du tout utilisé celui-ci, hein. Non, mais regardez un peu. Je vais essayer d'incliner un peu. Là, vous le voyez marron. Il est marron un peu avec des reflets dorés, des reflets roses. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas bien voir en inclinant comme ça le téléphone. Vous voyez un peu cette beauté. Il est totalement neuf. Il est superbe, franchement. Je ne vais pas vous faire de swatch. Mua Makeup Academy. Bah, comme les palettes qu'on a achetées chez Nos, d'ailleurs, je crois que c'était Makeup Academy. Non, c'était Technique.
Franchement, c'est superbe. Hein, tu m'as vraiment, vraiment beaucoup gâté, maman. Et c'est pas fini. Il y a encore d'autres cadeaux. Alors, il y a un recourbe-cils. Alors, j'ai jamais, jamais testé de recourbe-cils. Je suis pas sûre de m'en servir. Je vais tester. Au cas où, j'espère que tu m'en voudras pas, Manon. Je le donnerai. Mais non, c'est un cadeau. Je vais l'utiliser. Hein. Ça peut être marrant dans une vidéo d'essayer de recourber ses cils. Moi, j'ai jamais testé de recourbe-cils. Mais pourquoi pas? En plus, il est très très beau. Il est complètement neuf. Hein. Il est superbe. J'ai jamais testé de recourbe-cils. Mais ça peut être justement, tu me fais découvrir des choses sympas. Je voulais le donner ou l'offrir, mais non, je vais le garder pour moi. Ce sont des cadeaux. C'est pour moi. Voilà. Ensuite, il y a cet emballage-ci. J'ai l'impression que ce sont des produits, des crèmes peut-être. C'est super bien emballé. Oh là là! Il y a deux crèmes de la marque Miracle, des crèmes pour les mains. Il y en a une bleue et une rose. Enjoy et Magical. Alors, je ne sais pas du tout de quelle boutique ça vient. Oh là, ça sent super bon. Malgré qu'il y a l'opercule, je sens l'odeur et ça sent super bon. Franchement, au top. Et la rose, je vais sentir la rose. Alors, par contre, je suis mal inclinée. Ouais, la luminosité n'est pas top. Hein. Je suis choquée par la beauté de ce produit. Hein. On a l'impression... C'est la même odeur, pas tout à fait. L'autre est plus sucrée. Donc en plus, c'est totalement neuf. Ce sont des crèmes pour les mains. Ah non, celle-ci, c'est une crème pour le corps. Autant pour moi, une crème pour le corps. Et l'autre, une crème pour les mains. Mais je crois que c'est la même odeur. Malgré l'opercule, on sent à travers. Voilà. Donc celle-ci, c'est une crème pour les mains. Voilà, crème pour les mains, crème pour le corps. Tu me fais découvrir des choses que je ne connaissais pas. Et ensuite, un produit qui vient de chez Action, un exfoliant visage. À croire que tu as dû, je sais pas, tu as dû penser, tu as dû deviner que j'avais oublié un exfoliant pour le visage. De la marque Elvira, de la marque de chez Action. Je ne le connais pas du tout, celui-ci en plus. Oh, il sent bon, hein. Waouh. Il sent super bon. Il a une super odeur. Ils sont très très bien. C'est au bambou. Je crois que c'est au riz de bambou. Alors, exfoliant douceur. Vous avez des billes de bambou et de riz. Eh, franchement, l'odeur, elle est à tomber. Hein. Waouh, la marque Elvira, j'aime beaucoup en plus. Ça a une odeur. Oh là là, une odeur géniale. Hein. Franchement, au top. C'est pas fini. Hein. Ah, Manon, t'as fait des folies. Hein. Alors, il y a d'autres échantillons. Waouh! Alors, ce pince aussi, je l'ai déjà. Je crois que c'était dans le kit, dans un des kits de chez Action. Peut-être dans le tiroir, peut-être. Vous savez, c'est pour les cils, sourcils. Donc, je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Hein. Au contraire, ça fera pour les vacances. Alors, il y a d'autres échantillons. Il y a une crème nutritive de chez Yves Rocher. Elle m'a gâtée, hein. Le rêve Himala, Nirmala de chez Molinard Eau de Toilette. Il y a le Kenzo World Eau de Parfum. Le parfum féminin floral ambré. En échantillon. Il y a Yves Rocher Fond de Teint Fluide Zéro Défaut. Tenue 14 heures en moins qu'elle a peau grasse. C'est top. C'est la teinte Teint Médium Beige 300. Il y a Culture Bio Crème de Coucher Crème de Nuit. Crème bio, donc, je ne connais pas du tout. Il y a un échantillon Sephora crème légère, activatrice d'hydratation, booster à l'acide hyaluronique, top, de la marque Sephora. Il y a un échantillon Flower Bakenzo, je connais déjà ce parfum, je l'aime beaucoup. Comme une évidence homme, c'est monsieur qui va tester, il va être content. Un beurre corps super nourrissant de chez Sephora. Il y a un booster énergie de chez Clarins. C'est une nouveauté.
Waouh, je crois que je l'ai déjà en test, celui-ci à tester. Et il y en a un autre, c'est le Booster Repair. Tu m'as vraiment gâtée. Et c'est pas fini, hein. Il y en a encore. Il y en a encore, il y en a encore. Waouh, tu m'as vraiment gâtée, hein. Et justement, chez Action, on était un peu dégoûtés. On n'a pas trouvé la nouvelle palette de chez Action. Ou c'est une grande palette avec des fleurs. J'espère que mon téléphone ne va pas tomber. On l'a pas trouvé du tout. Ah, ceux-là, ce sont des miniatures, je pense, qui viennent de chez Action. Alors, je pense que ça vient de chez Action, la marque Miracle. C'est comme la gamme de tout à l'heure. Alors, celui-ci, c'est le Body Scrub, gommage pour le corps. Le gel douche. Ensuite, ça venait d'un calendrier de l'Avent de chez Action. Le shower gel de la marque Spa. Ça venait d'un calendrier de l'Avent de Action. Voilà. Je crois que je l'avais fait gagner l'année dernière pour mes 5 ans. Pour les 5 ans de. Pour mes. Les 5 ans de mes. Mes 5 ans de ma chaîne. Je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver là. Et ensuite, il y a le. C'était une édition limitée de l'année dernière aussi. Le shower gel, le spa. C'était le Tribalicious. Tribalicious Summer que j'avais pas du tout testé. Je les avais fait gagner l'année dernière pour les 5 ans de ma chaîne. Et dernier produit qui vient aussi de chez Action, c'est le spa exclusif. Alors celui-ci, je ne le connais pas du tout. C'était de la marque Marvelous Summer. Je ne le connais pas du tout. Ces deux senteurs-ci, je vais y arriver. Celui-ci, je l'avais fait gagner, donc je ne l'avais pas testé. Et celui-ci aussi, je l'avais eu, mais je ne les avais pas testés. Donc, eh ben, je vais pouvoir tester tous ces produits, hein. Eh ben, je suis super contente. Franchement, Manon, tu m'as vraiment gâtée, 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 hein. Moi, je suis gênée, hein. Du coup, on est vite parti. Et du coup, ben, j'avais laissé le sac. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que 4 produits que j'avais achetés. Et bah je vais te les envoyer de toute façon. Et si je trouve la palette, je te l'enverrai, hein. Voilà, bah c'est super sympa. Alors c'est vrai que le recourbe cils, je sais pas faire. Je vais pas dire j'ai un peu peur, mais faudrait pratiquement que je fasse un crash test en vidéo. Voilà, mais apparemment ça recourbe les cils, donc pourquoi pas tester, hein. Il est très très joli, hein. Et ben voilà, ben je vous invite à aller voir la chaîne de Manon, de voir son vlog. Voilà, comme je vous ai dit dans la première partie, je ne sais pas si je vais tout poster en même temps ou si vous aurez le déballage de tous ces cadeaux en deuxième partie. Tout était super bien emballé. Elle a fait ça vraiment, tout est neuf en plus, tout est top. En plus, Make Up Révolution, moi j'adore tout ce qui est gloss et tout. C'est vraiment génial, hein. Elle m'a mis beaucoup, beaucoup de masques, beaucoup d'échantillons, beaucoup de petits produits à découvrir. Franchement, trop, trop bien. La marque Messoda. En plus, c'est tout à fait mes couleurs. Puis alors, énorme, énorme, énorme coup de cœur. J'aime tout, hein. Mais alors, énorme coup de cœur pour cet highlighter de la marque Mua. Le Rosewood Glimmer, franchement, il est totalement neuf. Franchement, tu m'as vraiment gâtée. Alors, celui-ci, je l'ai déjà, hein, comme je l'ai dit, le bronzer de. Pas le bronzer. Si, c'est le bronzer de chez Action. Mais celui-ci, je le garde. Et l'autre que j'ai chez moi, je vais l'offrir. Et je crois que chez moi, j'ai l'un des deux. Mais pareil, celui que j'ai, je vais l'offrir. Et je vais garder tes cadeaux très précieusement. Voilà, Manon, bah, franchement, t'es une très très belle rencontre YouTube, t'es une très très belle personne. Franchement, on a passé un superbe après-midi. J'ai passé un super après-midi en ta compagnie. On n'a pas trop craqué, enfin, on a essayé d'être raisonnable, ça n'a pas été évident, hein. Et j'avoue que j'ai pensé à toi quand on est passé devant Saga Cosmétique. Je me suis dit, non, vaut mieux pas que je rentre parce que bah, j'avais déjà pas mal craqué, hein. Voilà, puis c'est que pratiquement le début des vacances, donc voilà. Donc top, ça je vais pouvoir le mettre dans mon sac. Merci pour tout ce que tu m'as offert et surtout, bah, t'es une magnifique rencontre YouTube. YouTube, franchement,
ça nous fait vivre une belle aventure, hein, tout simplement. Hein. Franchement, il y a des gens très très gentils sur YouTube. Hein. Comme ça peut arriver d'avoir des mauvais commentaires, hein, mais bon, il y a aussi de très très belles rencontres. Hein. Franchement, Manon, allez vous abonner à sa chaîne. Elle fait des vlogs, des haul nose, des haul actions. Elle fait des crash tests make-up. Elle aime beaucoup, comme moi, la marque Make-up Révolution. Voilà, et elle a pensé à moi d'ailleurs avec Make-up Révolution, c'est super. Franchement, puis en plus ce mascara, j'en ai entendu que du bien. Voilà, sur ce mascara-ci, franchement, au top, hein. Je crois que je vais l'utiliser dès demain. Je vais peut-être vous faire un make-up avec ce qu'elle m'a offert. Je pense que je le ferai en rentrant chez moi. Voilà, puis le fond de teint Shiseido, j'en entends souvent parler. Fond de teint Self Refreshing. C'est la teinte 310 Silk. Pourquoi pas le mélanger avec quelque chose de plus clair? À voir. Hein. Enfin bref, tu m'as vraiment énormément gâtée. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous invite à aller voir Manon. Allez découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Et franchement, c'est une personne vraiment très 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 gentille. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.